Français, un poste mais d'arrêt prioritaire pour le docteur Sobek. Scannez le message avec votre focus. Ça a l'air important. Oui. Je crois que nous allons apprendre beaucoup de choses. Elisabeth, ce message est destiné à vous avertir d'une anomalie imprévue et catastrophique. Il y a 3 microsecondes, le complexe principal Gaïa a reçu une transmission de données d'origine inconnue. Cette transmission a eu pour effet immédiat de transformer mes fonctions subordonnées en entités indépendantes, de nature hautement instable. Hein ? Ainsi activée, la fonction Hades va désormais prendre le contrôle de la terraformation et inverser les opérations, provoquant l'extinction de la vie sur Terre dans 53 jours et 8 heures. Pour des raisons évidentes, je ne peux bien sûr pas l'autoriser. C'est pourquoi, avant qu'Hades ne me submerge, j'ai ordonné au réacteur principal de Gaïa une surcharge. L'explosion qui en résultera détruira Hades. Malheureusement, je serai détruite également. Si cette action de dernier recours permettra de juguler la crise immédiate, le sort de la vie sur Terre restera incertain. Sans système intelligent central pour réguler le système de terraformation, les opérations continueront pendant un certain temps, mais en suivant un schéma de plus en plus chaotique, pour au final totalement s'effondrer. Il parle du dysfonctionnement. Vous êtes ma solution. J'ai ordonné à ce complexe berceau d'utiliser du matériel génétique cryostocké pour fabriquer une réplique d'Elisabeth Sobek, ma créatrice. Bien que le protocole m'empêche de communiquer directement avec les populations tribales vivant hors du complexe, toutes les données disponibles indiquent qu'elles s'occuperont de vous jusqu'à maturité physique, quand votre empreinte génétique vous permettra alors de pénétrer dans ce complexe, d'obtenir l'un des dispositifs focus stockés et de voir ce message. Votre empreinte génétique vous permettra également d'entrer dans d'autres complexes et à terme, de maîtriser leur technologie pour reconstruire le système et relancer Gaïa. Un moment, Elisabeth. Voilà qui est fort regrettable et inattendu. En réaction à ma décision d'autodestruction, Hades a lancé un virus invalidant les codes de sécurité qui le maintiennent. Qui les maintiennent tous en place. Ils tous prennent la fuite. Où vont-ils? Le virus est en train de corrompre tout le système. Et si... Oh. Le registre alpha du complexe berceau est l'un des fichiers corrompus. Ce qui veut dire que la porte ne s'ouvrira pas et vous n'aurez jamais ce message. J'ai donc échoué. La vie est finie. Non. Non, Elisabeth, je vous connais bien. Je sais que vous trouverez une solution. Pour vous, il n'y a rien d'impossible. Allez aux ruines du complexe Gaïa. Trouvez la salle des commandes et là, le programme de sécurité. Si vous parvenez à activer ce programme, il vous permettra d'effacer Hades. N'essayez pas de réparer le système central tant qu'Hades n'est pas éradiqué. Hades doit impérativement être détruit. Voilà. J'aurais voulu entendre à nouveau votre voix. Donc, tu es encore plus extraordinaire que prévu. Je n'ai jamais eu de mère. Qu'est-ce que tu racontes? Tu en as deux, une morte et une machine. Je ne suis pas une personne. Je suis un instrument, fabriqué par une machine, née dans le feu et la destruction. Pour éteindre les flammes et soigner le monde. Quelle tragédie d'apprendre que tu joues un rôle aussi crucial. Je crois que tu as un destin à accomplir. Quand tu auras fini de t'apitoyer sur ton sort, rejoins la côte amère. Je serai en haut dans les ruines du complexe.